À l'avant du véhicule, on a une boîte qui est une caméra infrarouge. Dans la plaque d'immatriculation, nous avons le radar. Appareil photo invisible, système de traitement des données, tablette tactile. Cette voiture banalisée est en fait un petit bijou de technologie qui coûte plus de 70 000 euros. Et avec elle, les fous du volant n'ont aucune chance. Que le véhicule nous passe ou que le véhicule nous croise, s'il est en excès de vitesse, le radar va calculer la vitesse dont le véhicule roule, s'il est en infraction, et il sera verbalisé pour cette infraction, sans même le savoir. Nicolas va maintenant se glisser incognito au milieu de la circulation. Et il n'a plus qu'à attendre patiemment qu'un automobiliste se jette dans ses filets.